bienvenue sur Néran Gaming pour ce nouvel épisode. Putain, tu vas crever toi dans les murs. N'importe quoi. Ah. Pour ce nouvel épisode de Attack of the B-Team, le troisième. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une petite exploration du Nether. Voilà, donc on l'a déjà un peu exploré, mais on vous l'a pas montré pour vous montrer à quel point il est beau, il est magnifique, mais surtout à quel point il est encore plus dangereux. Donc là, la créature en laquelle mon frère est transformé, c'est une des nouvelles créatures qu'il y a dans le Nether. Bon, tu reviens par là, toi. Ne sont-elles pas magnifiques, n'est-ce pas? Ouais. Des yeux tout très moches. Alors, donc, pour nous, ce qu'on va aller récupérer, donc parce qu'on va récolter des trucs un peu spéciaux. Voilà encore une autre créature. On va donc principalement récolter, donc ça va être du... merde, j'en oublie le nom à chaque fois. De la glowstone, voilà. Et bien sûr, on va faire un petit peu de... d'échantillonnage. La chance. Putain la vache. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, viens voir où est-ce que je suis tombé. Oui, bah déjà, je sais pas où t'es passé, hein. Mais je suis tombé justement. Oui, mais t'es tombé où? Sur une bûche de bois qui n'a pas été posée par moi, donc par toi. Ah oui, d'accord. Toi, t'es déjà allé là-bas. Ah oui, t'es tombé là-dessus. J'ai la capacité de remonter. Bon, attendez, moi je me transforme en chauve-souris. Voilà. Ouais, c'est moi qui avais foutu ça là pour être sûr de quand... Parce que voilà, donc... L'entrée elle est là, et vu de l'extérieur, on ne voit que dalle, hein. Avec ce nuage là, ce nuage du H-Cool Cloud. Hop, bon, on va récupérer un peu du H-Cloud Cloud. Hein, ouais, ça va libérer aussi un peu. Par contre, tu grésilles un peu du micro, toi, hein. Ah, je grésille un peu du micro, bah, ça c'est pas bien du tout, ça. Bah non, c'est pas bien du tout. Wouhou. Non, on va récupérer un petit peu de H-Cloud. C'est du Natura, hein. Donc ouais. Ça sert pour aucun craft. C'est pas grave, ça fait joli. Non, c'est très moche. Non, c'est joli. Non, c'est très moche. C'est joli. Non, c'est très moche. Toi, t'as agressé les pigmen. Les pigmen. Ouais. Ah, j'ai entendu ça. J'en ai rien à foutre. Voilà. Je les balance dans la lave. Ouais, sauf que tu leur fais rien, tu sais. Hein. Que je les balance dans la lave. Rien à foutre. Oh, fais chier de l'ardite. C'est quoi ça, fait... small doing, machin truc mèche, hein, ouais. De quoi Non, rien, laisse tomber. Tiens, il y a de la glowstone. C'est de l'herbe en fusion, sinon, ce que tu veux. Ah, bon, fort bien, alors. Attends, moi, je te propose... Moi, je vais me transformer en une autre créature qui vole, mais... Oh, putain. Je me fais attaquer par un ghast. Voilà. Je vais aller expressément lui péter la gueule. Ah bah tu l'as fait pour moi. Ouais, c'est moi la grosse abeille. Oh, il y a des hallucinogènes là. Des hallucinogènes? Ah oui, les champignons. T'es où toi? Ah, t'es là-haut. Oui, donc nous sommes venus là principalement donc, pour la glowstone, et puis bien sûr on va récupérer deux trucs tels que de la roche du Nether directement. Qu'est-ce qu'on va récupérer d'autre? Du... Je veux son masque. Un tas de bordel. Ouais, un tas de bordel. Ah bah t'as y a de la glow qui est tombée ici. Ah, va te faire foutre le cochon. Tu m'emmerdes. Ouch. Mais en fait, il nous faut de la glowstone parce que pour le moment, j'ai pas encore mon spawner à witch que j'espère avoir dans pas longtemps.
pour avoir de la glowstone en quasi illimité, parce que j'en ai marre de devoir venir dans le nether pour, parce que pour obtenir de la glowstone en quantité suffisante. Heureusement qu'on a la chauve-souris et qu'on peut voler, parce que sinon ce serait chiant. Ah ouais, mais ça serait... Attends. Quoi, fais qu'est-ce qu'il y a? Fais chier. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon Minecraft s'est fermé. Il aime pas quand tu meurs, j'ai l'impression, ton Minecraft. Il aime surtout pas quand tu nether en mourant à la... Question comme ça, juste, tu fais comment pour te brûler? Pour mourir brûlé surtout. La glowstone et la glowstone était face à la lave, et donc du coup quand j'ai miné, bah je suis tombé dedans. Oh, ah ouais, t'es doué toi. Bon, elle est où ta... Écoute, ma pierre tombale là, j'en sais rien, donc ça me prend un bol à la tête. Mais bon, ça va aller. Bon, en espérant que ça fasse pas comme la dernière fois. Ouais, la dernière fois j'ai retrouvé hein. Non mais c'est pas ça, c'est que la dernière fois bah t'avais dû désinstaller le jeu et puis le réinstaller. Ah, non, oui, parce que j'avais pas la carte. Ouais. Donc, faut juste appuyer sur la touche circonflexe. Eh, ferme ma fenêtre parce que c'est ignoble hein. Oh là, c'est bon. Je vais allumer mon magnifique ventilo. C'est con comment ça crève ces machins là. Oh, de la glow. Oups, de la glow pour moi. Ah ouais, en fait la glowstone me sert pour... Je vais vous montrer pourquoi elle va me servir principalement. En fait, c'est pour les crafts de REST Project Red Transportation pour pouvoir faire principalement ces cartes-là, voilà. Vous voyez, il me faut de la glow pour absolument tout. Et vu la future salle des coffres que je suis en train de vous faire, ce qu'il faut savoir que dans Attack of the B-Team, on va rien ranger du tout, tout va être posé en bordel tel quel, mais tout sera rangé quand même. C'est pas un peu contradictoire ce que je viens de dire? Plutôt ouais, mais on s'en fout parce qu'ils comprennent quand même. Alors Ah, j'ai envie d'exploser lui. C'est bon. Ouais, allez. Oh, je dégage. Ah, saleté, dégage. Ouch. Ah, punaise. Ah, elles font mal celle-là. Hein. Je suis en train de me faire agresser par des araignées, là. Oh, les araignées, elles sont costauds. La vache. Dégage, saleté. Dégage. Voilà. Oh. Sérieux? Oh. J'ai pas envie de te taper le pigman, tu dégages. Bon, heureusement qu'elles sont pas venimeuses celles-là. Imagine des araignées venimeuses dans le nether. Bah t'es sûr que les grosses elles sont pas venimeuses? Ouais, c'est sûr. Oh. C'est marrant, c'est genre, ils ont ajouté des plantes dans le nether, le truc qu'il n'y avait pas avant. Ouais, mais c'est pas mal. Ah, punaise. Bon, je cherche ma tombe. T'es où là au juste? Pardon. Près d'une ruche. Non, c'est pas toi. Près d'une ruche. Ah, laisse tomber, il y a deux ruches entre deux ruches là, donc, Laisse tomber, je cherche juste un truc. Putain.
fait chier. En même temps, pourquoi tu t'éloignes autant de moi? Hein? Tu m'emmerdes. Ouais, je sais. Pour ça que je suis ton frère. Oh putain, qui m'a collé un frère pareil? Notre mère. Ouais. Je lui collerai un procès plus tard. Quoi? Je vais lui coller un procès plus tard. Bah oui, exactement. Sauf que l'inverse, ça serait plus logique, ce soit moi qui lui colle un procès, parce que je suis mis avant. Bah non, c'est moi qui colle un procès. Ah bon, tu me colles un procès? Oui, pour mauvais accueil parmi les humains. Pour mauvais accueil parmi les humains. Mais what? Mais what? Ah, punaise. Hop, je récupère. Maglostone. N'empêche, je le trouve vachement beau comme ça, le Nether, hein, pas toi? Le Nether, ouais, vachement amélioré, il est vachement mieux. Il est à la fois plus accueillant, mais à la fois plus terrifiant. Avec toutes les nouvelles créatures qu'il y a. Elles sont costauds quand même, elles sont chiantes. Ouais. Mais comment dire, c'est vrai que cet ajout de plantes, etc. Bon, certes, normalement, il n'y a aucune vie dans l'enfer. Bah, théoriquement, c'est pas possible. Ouais, mais c'est des plantes magiques et c'est justifié, elles sont justifiées quand même, les plantes. Elles sont justifiées par quoi? Par le fait qu'elles soient magiques. Parce que c'est des plantes de sang, c'est des plantes démoniaques, quoi, donc... Ouais, il y a un arbre fantôme ici. Ouais. Ghostwood. Pas mal. Ah, c'est moi, je récupère. Maglestone. Oups. Je mange en même temps. Et ah, voilà, je commence à crever de faim. N'est-il pas merveilleux, n'est-ce pas? Ça doit être toi que je dois entendre là. Ouais, sûrement. Ça doit pas être loin. Je t'entends plus. T'as plus de vie ou quoi? Non, je t'entends. T'es où là? Sur la flèche. Sur la flèche. Ouais, la flèche, les cadavres là qui sont par terre. Ah, la chair quoi, par terre. Transforme-toi en quelque chose que je puisse voir. Et pas en imp, s'il te plaît. En quelque chose qui sort de l'ordinaire. En quelque chose de ce qui sort de l'ordinaire. Ouais, ça sort de l'ordinaire, ça. Enfin, de l'ordinaire pour le Nether, hein, je parle bien. Là, ça sort de l'ordinaire pour le Nether. Non, là, je te vois pas, hein. Putain, je suis une vache et tout. Ah, t'es une vache. Ouais. Est-ce que t'entends le ghast qui me tire dessus? Non, mais tout à l'heure, je l'entendais. Est-ce que vous voyez une vache, vous? Parce que là... Ouais, c'est encore mieux comme ça. Mon Minecraft va planter, voilà. Pas de beau, pas de peau, pas de peau. Oh là là, c'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la flèche, avec la... La flèche, la chair. Ouais. Je suis rien de peut-être faire des hamburgers. Ah bah du coup j'ai perdu tout mon stuff. Bah c'est super ça, dis donc. Bah il va falloir que tu récupères ta tombe. Ma tombe est perdue là. Comment ça elle est perdue? Ah tu meurs une fois, tu meurs une seconde fois, ça change ta tombe. Non. Bah non. Non. Non, non la tombe te sauvegarde ton inventaire entièrement. Hein. Ouais en tout cas...
pas près de la retrouver dans le Nether, hein. Bah, tu te souviens où t'étais à peu près? Oui, je sais où j'étais. Bon, bah voilà. Le problème, c'est que j'arrive pas à retrouver l'endroit. Ah ouais. Hop. Voilà. Allez. Ouais, l'âme est de retour, un tonnerre d'applaudissements. Pour la seconde fois. Ouais, ça va, on n'est pas tout seul, hein. De quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, je faisais le hibou de l'ennui. Le hibou de l'ennui? Ouais. C'est quoi ça? Bah quand un tonnerre d'applaudissements, puis quand il y a personne, bah il y a un hibou, tu sais, dans les vidéos de montage, tout ça, sympa. Alors, donc j'ai des safarinettes ici, en fait, c'est pour si jamais je trouve des blazes, pour pouvoir les capturer. Hop, je récupère. Il y a toujours les forteresses du Nether? Ouais, elles sont toujours là, il faut juste les trouver, elles sont un peu plus rares, quoi. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Ok, ça marche. Hop, faut juste pas perdre... C'est par là d'où je viens, parce que sincèrement, on se paume. Mais d'un rien là-dedans. Comme tout se ressemble plus ou moins, ouais, c'est clair que... Voilà, et puis je vais vous montrer sur la carte, rapidement. Voilà, j'ai quand même pas mal, moi, exploré de mon côté. Et comme vous voyez... C'est quoi cette tâche, là? Ah, je sais pas ce que c'est, hein. Qu'est-ce que Q? Hein, je sais pas, je... Bah tu regarderas sur la vidéo. Et y a une grosse tache à un moment sur la carte, j'ai pas vu ça quand j'explorais. Enfin une tache... Comme si on dirait que c'était de la pierre. Un L en pierre, quoi. Mais assez volumineux, hein. Ah oui! Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Ouais, une espèce de L en pierre, c'est... Hop. Voilà. Ça fait un peu de rush. Voilà. Alors, je cherche... Donc... Une forteresse pour capturer un blaze. Et pourquoi pas... Ah bah mince, j'avais des magma cubes. Peut-être dû en capturer, hein. Ah ouais, et tu sais comment ils donnent un peu les magma cubes, mince, comment ça s'appelle, j'en oublie le nom à chaque fois, moi. Les crèmes de magma. Vas-y. La quantité à peu près qu'ils donnent, enfin, pas la quantité, mais... C'est une question ou... La fréquence à laquelle ils les donnent, au pourcentage plutôt. Non, je sais pas du tout pourquoi. Tu sais pas du tout. Ce que fait chier si j'en capture un et qu'après il ne donne pas autant de magma, enfin de crème de magma que je voudrais. Ça serait méchant. Je sais pas du tout. Là, tu me poses une colle. Ouais, je te pose une colle. Ouais, bah voilà, pas du tout, je sais pas. C'est encore toi, chauve-souris, que j'entends là? Ouais. Bah alors, attends. Je suis en train de me faire violer de tous les côtés. Je suis mis dans un champi... T'es où là? Dans le champi. Rien là. Sors un peu. Et mange-moi ça.
Du pain. C'est le pain de la victoire. Le pain de la liberté. Ouah. Ouais. C'est marrant, c'est... T'as besoin encore de pain? Ou pas, ou Ouais, je pense tout à l'heure, mais bon... Ah non, mais elle est comment ta vie, là? Enfin, plutôt ta barre de faim. Ma barre de faim, elle est remplie. Oups. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie, toi? 2 secondes. Ah, je crois que j'ai une forteresse. Ah bah, bien, ça. Ouais, j'en ai une. Attends, j'arrive. Hop. Oh, quand c'est là-bas. Skyberry Bush. Mais c'est top, ça, j'en veux. Ouch. Voilà, bon, on va aller l'explorer. Sympa ton téléphone. Ouais, il m'a dit que j'ai batterie faible. Verre du Nether, c'est pas ça ce que je veux moi. Ok, ouais, voir. Ouais. Ah, on l'explore. Hein. Moi, je cherche des cubes de magma, des withers. Hein. Ouais, des cubes de magma, mais je sais pas si on va en trouver. Cube de magma, Wither et Blaze. Tu les tues pas, hein, surtout. Hein. Si tu les trouves. Ça marche? Pas de soucis. Bon, y a rien, il faut redescendre. Ah, je descends par là. Ah, que dalle, j'ai des armures. Hop, cela. Ah, elle est pourrie cette forteresse du Nether. Ouais, vraiment chier, c'est l'arnaque la plus totale là. C'est clair. Punaise, elle pas top, hein. Bah franchement là on s'est fait enculer. Ah ouais, grave là j'avoue, on s'est fait mettre bien profond quoi. Non mais là il y a même pas un coffre quoi. Si si, il y a des coffres, mais pour ce qu'il y a dedans, même pas de diamants, il y a un peu d'or. Mais l'or, à la limite, on s'en balance un peu, quoi. Ou alors l'or, perso, j'en ai rien à foutre, mais alors là, rien n'a pété. Diamant, bon, la poudre à canon, on s'en fout un peu. Ça, je m'en tamponne, perso, ça aussi. Ah, quoique, ça, je vais garder. Puis voilà, oups. Ah, ça, par contre, ça, c'est intéressant. De quoi qui serait intéressant? Une armure de cheval en diamant. Ah oui, pas mal. Attends, parce que là, je suis bloqué. Voilà. Ah ok, toi, t'es bon là. Ouais. J'ai récupéré déjà une selle en or. J'ai une selle en diamant. Non, y a rien, hein. Je l'ai entièrement vidé, quoi. Ah. Il y a le bruit d'un... Il y a du magma cube, là. Magma cube, ici. Yes. Ok, bouge pas. Et voilà. Je l'ai. Ok, c'est cool. Ah oh. Ouh. C'est du Wither Squelette. Ouais. Un Wither Squelette de récupérer. Bien joué, bien joué.
Voilà, bon par contre, y'a encore un wither squelette ici. Encore un, encore non, un. Je suis pas armé. Coucou. Hop, je t'ai eu. Il t'a pété la gueule, il t'a pété la gueule, trollolol, trollilol, trolli, trollilol. Ah, un escalier, ça c'est vers les spawners de Blaze souvent. Non, non, même pas. Je vais juste la sortie pour eux. Ah mais je crois qu'on s'est paumé dans la... Un Blaze. T'es sérieux? Ouais, un Blaze là, juste devant moi. Ah ouais, Blaze. Vas-y, va le capturer, salaud. Attends, il me reste juste une seule safari net. Coucou. Et voilà, je l'ai. Yes. Alors, j'ai deux safari net. Spawner... C'est bon, tu les as? Ouais, j'ai ce qu'il me faut, voilà, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il y a par là un petit peu? Voilà, là il y a l'autre forteresse encore. Oups là, putain, je vais cramer moi. Magma cube ici, si tu veux venir le défoncer. Ouais, j'en ai plein là. Bon bah du coup je lui pète sa gueule au point. Vas-y. Waouh, double spawner à Blaze. Oh connard. Putain, il y a une énorme araignée, ça je les aime pas par contre. En plus, zombie... un cochon zombie Mister T encore. Un cochon zombie Mister T. Ouch, 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 je crame, je crame, je crame, je crame. Putain, fais chier. C'est ouais, je suis un Blaze. C'est Q. Là, ouais. Coucou. Tu veux du pain? Ouais, je veux bien. Pousse-toi, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va par là, viens par là, viens par là. Tu seras un peu plus en sécurité. Ici, voilà. Tiens, voilà du pain. Attends, je me transforme en moi. Oui, voilà. Je suis totalement no stuff et je vous emmerde. Mince. Ils étaient où mes spawners à Blaze, moi? La main, c'est passé où mes spawners à Blaze, là? Oh, punaise. Ah là. Voilà. Bon, à défaut d'avoir des magma crème, j'ai au moins des blaze rod. Donc il nous faut quoi de plus là? Pas mal de blaze rod, ça serait pas mal. Notre blaze road, donc du coup tu veux qu'on nique des blaze ou avec notre blaze qu'on a capturé ça suffit? Ben le blaze qu'on a capturé ça serait pas mal, mais si on nique des blaze histoire d'en avoir un peu plus ça serait pas mal aussi quoi. Ok, sauf que je suis complètement comment dire? No stuff. No stuff, j'ai rien, j'ai même pas une petite épée en bois pour frapper donc ça va être la merde. Ah j'ai une épée en or. Wouhou. Non mais t'as rien comme armure quoi. M'en fous, c'est pas grave. Pour les blés, je vais voler et tout. Je vais zigzaguer vers eux tel un moustique assoiffé de sang. Tu me fais peur en disant ça. Quoi, ça fait pas le moustique? J'aime pas les moustiques. Bon, ouais, ils sont swag les moustiques. Ils sont swag les moustiques. Qu'est-ce que t'as fumé toi juste avant de venir? Voilà, rien. Rien pour une fois? Non, pour une fois, rien. Ok, j'ai trouvé spawner à Blaze, là je les attends. Un wither squelette qui veut se fighter avec moi. Oh, wow, deux Blaze d'un coup là, ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. Hop, tu crèves. Non, je vais pas me transformer en Blaze, connard. Non, si c'est bien les Blaze, tu crains plus le feu comme ça. Ah, ils volent en plus. Bah ouais. Mais c'est moi. C'est toi. Espèce d'idiot, bah. Ah, j'allais si...
Ah mais la connerie, tu viens de faire les blazes là. Ah j'hallucine, il va falloir que je me mette un chapeau en fait pour que je puisse me reconnaître. Aïe, ouch, ouch. Non d'accord, ok, je me casse. Petite bite. J'ai plus d'épée. Mais en même temps t'avais un Wither Skull sur la gueule. Ah non mais non mais non mais non. Ah punaise. Ils peuvent plus rien me faire. Ah c'est pratique d'être insensible au feu hein. Ouais hop là, ça crève. Je l'ai fait au un morceau de viande. Évite de me taper. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok. Ah, il y a tellement de fumée que j'ai dans la gueule là. Désactive les particules, sinon tu vas... T'as quoi le gars, c'est quoi ton souci? Je poursuis le gast. C'est un combat sans merci. C'est quoi ce truc là? Ah c'est un arbre à l'envers. C'est pas super ça. Ah, attends, je vais désactiver les particules parce que là c'est chaud. Ouais, désactiver les particules. Particules. Minimal. Voilà. Hop, je vais manger un coup moi. Ça fait combien de minutes qu'on tourne là? Oh bah là je crois qu'on a déjà fait pas mal. Ouais, on rentre à la base. Ouais, on va rentrer à la base et puis on va vous montrer rapidement un peu ce qu'on a fait. Donc en attendant, une petite ellipse. Le temps courant parce que je sens qu'on est paumé. Allô? Ouais, pardon, j'ai eu un petit bug là. Alors, ouais. Ellipse? Ouais, ellipse. Ellipse. Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite. Et nous revoilà. Donc on est enfin sorti du Nether, on a mis un petit moment avant de sortir. Voilà, donc au prochain épisode, ce qu'on va vous montrer, Lem, qu'est-ce qu'on va leur montrer? Eh ben, on va leur montrer notre humble demeure, si je ne puis dire. Qui est là. Oui, oui, elle est terminée. Voilà. Mais bon, je sais pas si toi, moi je le trouve un peu vide au prochain épisode. Eh ben on va la meubler. Eh oui, on va la meubler. Voilà. Je spoil le prochain épisode. Oh là là. Pouce rouge. Ouais, pouce rouge, j'ai spoilé. Donc Lem aussi va nous montrer un peu de Tinker. Donc notre prochaine forge ici. Et enfin prochainement, pas tout de suite hein. Et moi, je vais vous montrer notre future salle des coffres. Parce que oui, voilà. Enfin, elle avance. C'est opérationnel, que je vous montre rapidement. Hop, comme ça je mange en même temps moi. Hop. Et voilà. On peut tout commander. Voilà. Tout ce qui est dans les coffres. Tout ce qui est listé dans les coffres. Voilà. Bon allez sur ce les gens. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas Facebook, Twitter. Exactement. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous êtes un petit nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, sur ce. À la prochaine. Ciao, ciao.